La dent, elle est tombée. Les enfants, ils avaient hâte de faire une vidéo comme ça. C'est leur rêve de partir un jour une chaîne YouTube ensemble. Ouais. Qui essayent des affaires comme ça. Ouais. On l'a déjà fait, mais comme... On l'a pas mis en ligne. Ouais, c'est ça. On a déjà pris nos appareils photos et téléphones, puis on commence à faire mais des vidéos. Mais on a déjà fait... Ouais, c'est ça. Ouais. Vous avez deviné par le titre de la vidéo, on va goûter dans le fond les bonbons, les friandises les plus virales sur TikTok. Ouais. Oui, et c'est toutes des choses exotiques. Et on a toutes trouvé nos bonbons au Shack à Snack, c'est ça? C'est ça, à Québec. Ouais, à Québec. Hey, non, mais il faut que vous alliez voir. En c'est plus, vraiment cool. Si jamais vous êtes trop loin de Québec, il y a un site. Ouais, on peut commander. Takis bleus ont ça, été virales. Emotional time. Sur ouais. TikTok. Puis, c'est fort, c'est sucré, c'est quoi ça? C'est fort, ouais, je pense. Ça. Mais oui. Ben là, ils ont l'air d'être extrêmement forts. Ça sent bon? Ça sent bon, hein, s'il vous plaît. Ah oh, ben. Ah, ça sent j'ai... tellement bon, par exemple. Ouais. Mm. Ok, là, vous pouvez voir. Hey, j'ai l'eau à la bouche, ça va pas du tout. Ah, moi aussi. Oh, c'est bien. Ok, hey, qu'est-ce que vous faites? Ah! Ah, 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 c'est bon. N'arrive pas. C'est très bon, mais c'est trop bon. Mais c'est bon, là. Ouais. Non, mais mange en gros. Mais là. C'est donc bien bon. Très bon, là. Je me suis fait un voyage au Mexique. Oui. Ben, au Mexique, ils ont plein de croustilles qui goûtent ce type de choses-là. C'est très bon, par exemple. Mais c'est juste que. Mais ceux qui aiment le fort pour faire d'habitude, vous allez adorer. Non, mais 10 sur 10, même 15 sur 10. Un autre truc qui est vraiment. C'est quoi? C'est des gummies. Oh, 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 okay, j'ai l'eau. Oh, santé. Oh, ça fait des sous. L'eau. Ça date d'un succès pour okay. Oh, ouais. Non, mais vous comprenez pas. Oh my god. C'est vraiment des fruits de l'eau. Ah, bonbon. Oh. Bah, c'est. Oh my god. C'est très bon, là, mais je veux dire, c'est. Non, moi, c'est parce que je suis une fan de poser ça. Merci! Merci! Non! Jusqu'à la fin? Ouais! Ouais! Savon est comme... Ouais! À la fin, c'est pas bon. Ouais! Ouais! 7. 6-7. 6-7, ouais. Moi, 7.5. C'est l'expérience. Au début, cool. C'est incroyable, je capotais, puis c'est le goût de la fin qui me fait. Ah, fin, mais ça vaut la peine de tester pareil. Fait que dans le même ordre d'idée, on a les Fruit Loops. Pop-Tart! Oh my god, ça sent le Fruit Loops! Ouais! Bon, est-ce que ça va être meilleur que les bonbons? Parce que les bonbons au début c'était bon et j'en ai pas moi. Mais oui, attends, on va se séparer. Séparer. Ok. C'est joli. 1, 2, 3. Ah, regarde, c'est très bon. Ah, moi je trouve ça très bon. Oui, mais une Pop-Tart c'est bon, déjà meilleur, je trouve. À goûter. Ça goûte, mais. Non. Vous aimez pas ça? Bon, c'est bon, mais pas de tort, c'est bien. Normal. Hé! Hey, c'est vraiment bien. Mais faute, là. Hop. Bon, c'est notre premier, Madison. Oh, on l'a pas encore. Sincèrement, je sais même pas c'est quoi qui est écrit. Mais c'est des Skittles. Chinois. Du Japon, c'est ça? Du Japon. Je pense du japonais. Que c'est quelqu'un qui comprend les ingrédients, tu sais. Finalement, ça pourrait même pas de la bouffe qu'on saurait pas. Fait que là, j'en prends deux juste pour être sûr que. Ah, c'est bon. Non, mais ça, c'est. Ce goût-là est bizarre. C'est bon. Sakura. Genre, ça sent, ça goûte. Maman, tu y vas péter, toi. Genre, ce que maman était dans nos bains quand on était jeune. Hein? Goûter au orange. Avoir un shampoing de quoi qu'on mangeait quand on était jeune, c'était. Un shampoing qu'on mangeait. Non, mais quand on est jeune. Hein? Je mangeais des shampoings, là. Bon, je goûtais tout. Ça, faut vraiment que vous essayiez. C'est spécial. Vous nous écrivez-le en commentaire. Si quand vous allez goûter ça, là, vous nous écrirez c'est quoi le. D'où que, si vous le savez, d'où ça vient ce goût-là ou cette odeur-là? Moi je dis 12 sur 10. Moi c'est un coup de cœur. Ben c'est parce que c'est pas juste bon, c'est comme une expérience. Ensuite, une autre chose. En fait, je connais ça. Je regarde ça dans les vidéos, moi. Il y a ça dans les vidéos? Ouais! Qu'est-ce que c'est ça? C'est bon comme la pâte à dents? Je vais sentir.
Oh non, c'est pas là, elle fait que ça. Oh! Elle fait pas ça. Ah! C'est bon? On est sûr que ça se mange. Ben là, oui. C'est sour head. Ah, aïe, aïe. Bye. Oh mon gars. C'est bon? C'est intense. Oh! Mais c'est bon. Moi, j'aime ça, c'est comme surette. T'aimes-tu ça? Ben, lui. Le goût du début est pas bon. Ouais. J'ai l'impression que ça devient méga bon pis surette. Oh my god, C'est ton genre d'affaire. Ouais, c'est mon genre d'affaire. Oh my god, la texture est insane. Les papiers gustatifs font comme mal. Je suis obligée de mettre un 10. Non, non, hein? 9! Essayez absolument, là. On a d'autres Skittles qui ont de l'air géants. Et on dirait du moelleux. Ah, c'est comme des gommes, c'est mou. Ah, c'est bon, hein? Ah, le gars est spécial. Ah, non. C'est bon. Ah, bon. Ça goûte bon. Non. Même histoire que ce qu'il y a. C'est bon. Ça goûte le. Mais. Ça me trigger quelque chose, je sais pas quoi. Vraiment, là. Je comprends pas. Non, mais là, je me dis que ça goûte le savon, mais genre, ça goûte bon. 19 sur 10. Ouais, peut-être que je le mange même du savon, hein. Non, non, tu comprends pas, ça goûte le savon. Yeah! Un autre chose, ça, des nerds. Ça va être bon, là. Ouais, ça va être bon. Des nerds, c'est dans mes moments favoris. Moi aussi. Moi aussi. Okay. Ah, c'est des gummies. C'est comme des gummies, mais nerds. J'ai jamais vu ça nulle part. Mais, parce qu'il y en a pareil, là, les longs. Les longs. Oui, là, ça ressemble oui, à ça. Oui, les nerds, c'est vrai qu'ils tiennent tout ensemble. Les nerds rope, Mais. Ça ressemble beaucoup à ton affaire, là. Nerds are rope, je trouve. Non, mais là, on est vraiment dans ça. 20 sur 10. Mais. 20 sur 10, mais c'est pas spécial. Ouais. Mais parce que tu connais les ropes. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Mais qu'est-ce que c'est ça ou les ropes? J'aime mieux ça. Ouais. Ça. Ouais, ça se mange mieux. Ah. Ça. Puis, regardez, ils sont comme plus petits. Mais ouais. Ouais. Les nerds dessus sont plus petits. Oh, mais ça n'a pas de sens. Ça a des maladies, c'est une drogue. Fait que ce type de bonbon-là, t'as le goût qui est extraordinairement bon. T'as le crunch du début. Après ça, c'est mou. Ouais. Tu sais, c'est pas juste une question de savoir, même l'expérience sensorielle est bonne. Ça va être bon. Prochain bonbon, c'est des sweet tarts. Ça, là, c'était quand on était jeunes encore. Melando et. B. C'est comme les réglisses à l'intérieur, là. Oui. Blanc. Ah, moi ça j'aime ça. Ouais. Là tout le monde en a, ok. Oh. 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 Oh, maman, le mignon. C'est pour ça qu'il y a un gâteau dedans. Ouais. Mais. Quand même. Oh my god. C'est bon. Je peux pas le comparer à rien, là. Oh, c'est non. On peut faire des choses avec. C'est moi qui vous dis qu'il y a un gâteau dedans. Très. Je m'attendais pas à ça, c'est fini. Pas 20 sur 10, là, mais 15 sur 10. Moi, je vois. Ouais. 1000! 1000 sur 10. Hey, c'est spécial hein, quand on craque dedans. C'est un mélange de rouleau aux fruits. Ouais. Ouais. Et un gâteau. Ben. À l'intérieur. C'est pas un rouleau aux fruits. C'est crémage genre. Ouais. Et étrangement, ça fit. Hein. Ouais. Vous connaissez? Oreo, moi, c'est ma vie. J'ai pris ça juste pour Eman. C'est ma vie. Parce que Eman, il pourrait vider un paquet familial d'Oreo à lui tout seul. Ouais. C'est comme des petits paquets comme ça de Oreo. Regardez ça. Ah, comme les trucs là. Oui, attends, c'est un pour la famille parce que là, on va tous être malades là. Ah, moi, c'est genre des bâtonnets en réo, puis tu prends un. Oui! Pourquoi ça existait pas ça? Pourquoi ça existe pas ça? Bon. Bah, tu sais. Ah! Bah, on a tombé une affaire. Non, ça goûte pareil. C'est pas bon, mais c'est absolument la même affaire pour nous. Je dirais bien 1 million sur 10 parce que je suis un grand fan de Oreo. Il s'en va chercher du lait! Le pire peut-être défi à Eman, c'est les fameux cornichons qui ont été virales sur internet. Les hot cornichons mama. Géants dans de la sauce. Dans de la sauce. Attends, mais c'est un vrai cornichon? Ben c'est un cocon blanc, oui. Ah, oh, ok, c'est même pas un bonbon là. Ah non, je mange pas ça, moi. Ah, tiens, ça. Mais ça goûte bon. Là, c'est pareil, on est normal. Non, papa, c'est pas normal. C'est normal. Ah, bah, c'est bon.
Non. Pas bon? Pas ça de ça. Non. Ça par rapport le goût? Non, mais. Je sais pas ça, moi. Non. Ça goûte comme. Wesh. Non. Ceux qui aiment ça, les cornichons, vous allez. Non. Salsa, j'allais voir que. Ok, mais les autres, c'est bon? Les autres, c'est incroyable. Alors, ceux qui aiment les cornichons, vous êtes servis avec ça, mais ceux qui aiment pas les cornichons, ben, ils sont juste surpris. Je vais prendre une autre bouchée, une dernière fois. Mmh. Est-ce que c'est bon pour la santé, un cornichon? Oui. Un cocombe. Un cocombe. Ok, attends. Ok, attendez. C'est un cocombe? Mm-hmm. Non. Non, mais c'est-tu. C'est des cucumbers, là, c'est un con, c'est un nom. Non, mais c'est tout le temps ça? Des pots de cornichons? C'est des pots de petits morceaux? De cocon? Ouais. T'es sûr dans la folle? Ah! Attends, là. Je viens d'apprendre que des cornichons, c'est des cocons, là? Oui. Non, je ne le crois pas. C'est bien su! Oh mon dieu, j'ai tellement l'air idiot. C'est pas la même affaire, chérie. C'est ça. La différence entre un concombre et un cornichon, les cornichons ne sont. Non, c'est ça. Ils ne sont pas tout simplement des petits concombres. Mais ils sont issus de la même espèce botanique. Bon, ok, je ne ris pas. Ok, c'est pas la même affaire. Ok, c'est bon. Je ris pas. Ok, mais c'est bon pour la santé. Ben, ça doit être bon pour la santé parce qu'un concombre, c'est bon pour sa même famille. C'est ce qu'ils mettent dedans. C'est ce qu'ils mettent dedans, ouais. C'est quoi, ils mettent du vinaigre, un paquet d'affaires. Ils font maturer ça. T'as oisi ça. Elle a oisi ça. Elle a oisi ça. Moi j'en prends le rouge. Ça c'est comme. C'est quoi? C'est des genres de personnages internet? C'est quoi ça? C'est de la gelée. C'est vraiment de la gelée. Ça se mange vraiment ça. Wow! Ok, ça a été écrit open ici. Oh my god. Toi? Qu'est-ce que c'est ça? C'est à l'intérieur d'un raisin. Ah ouais? Ça ressemble à des litchis, des fruits de litchis, là. Comme moi, dans le milieu. Non, c'est plate, ça finit sur une note très décevante. Ça, c'est pareil, c'était bien trending. Ah ouais? Mais je sais qu'il y a une manière de le manger, mais au lycée avec les enfants, faut que je pense que tu l'envoies direct dans ta bouche. Ah, c'est mais que non, mais il dit des fois, ça revient. Fallait pas que tu le gèles, que tu le brasserais. T'as bon, le Ah, mais il m'avait dit, mais ça, on le écrivez-nous en commentaire si vous savez comment ça se consomme ça. Ben je sais, mais il dit que des fois ça remonte là, je peux pas penser avec les enfants. Hein. Non. Prochaine vidéo, on vous fait des breuvages les plus étranges que pas. Et on les a déjà en stock. Ouais. Et c'est spécial. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être notifié quand on poste une nouvelle vidéo. Et nous on se revoit la semaine prochaine, tout le monde, on vous aime. Ben hey, c'est la première fois qu'on est les 5! Oui.